Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits de différentes marques. Donc, on va commencer avec celui-là ici. C'est une crème gommante de la compagnie Codage Paris. C'est une émulsion qui est riche et apaisante à base de fines particules de grains de riz pour une exfoliation optimale du visage. Donc, ils disent que c'est pour tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles. Ça élimine les impuretés, les cellules mortes en stimulant le renouvellement cellulaire. C'est un produit qui vient de la France. C'est à utiliser une à deux fois par semaine, puis on commence en l'appliquant, puis ensuite, peu à peu, on ajoute de l'eau pour pas que ce soit trop abrasif. C'est un produit qui est sans parabènes, sans huile essentielle, sans phtalate et c'est non testé sur les animaux. Personnellement, moi, j'ai adoré ce produit-là. J'ai trouvé que ça donnait un teint lisse, régulier, éclatant. Je l'ai trouvé très efficace. Il est plein de petits grains minuscules qui exfolient. Je vais vous montrer. Donc, ça se présente comme une crème blanche, mais on ne les voit pas, ils sont tellement petits. Moi, je les sens sur le doigt. C'est minuscule, les petits grains. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Je trouve que c'est pas abrasif, étant donné que les grains sont vraiment très, très petits. Puis à la fin, ça donne une peau très douce, une peau souple. Puis c'est un produit que j'avais déjà gagné dans un concours et j'ai vraiment adoré. Donc je vous le recommande. Ensuite, on a un autre exfoliant qui est l'exfoliant Éclat Intensive C de la compagnie Murad. Ça, c'est une formule intense qui illumine, qui lisse et qui hydrate pour un teint lumineux et rayonnant dès le premier soin. On peut ressentir de légers picotements. Il faut le laisser agir 10 minutes et ensuite, on doit le rincer. Donc, c'est sous forme de crème. Moi, j'avais reçu un petit échantillon comme ça. Donc, c'est sous forme de crème blanche. C'est vrai qu'on ressent de légers picotements. On ne sent pas les grains exfoliants à l'intérieur. Quand il est sec, il fait un effet d'étirement sur la peau. Mais c'est pas grave, puisqu'après, on doit mettre notre hydratant. Moi, j'ai bien aimé ce produit. J'ai trouvé que ça donnait une peau douce. Par contre, comme il picote, je vais pas le racheter. Même s'ils disent que eux, c'est normal. Moi, tout ce qui picote sur la peau, j'ai comme tout le temps un petit doute à savoir si c'est vraiment bon pour la peau ou pas. Donc, pour cette raison-là, je vais pas le racheter. Mais le résultat est très bien. Comme prochain produit, on a un shampoing qui est quand même assez particulier. C'est le Sun Touch de la gamme Care série. La compagnie, c'est Landon. Puis, j'avais jamais vu ça. C'est un shampoing réparateur solaire. Donc, c'est un shampoing qui nettoie et prend soin en douceur des cheveux endommagés par le soleil. Moi, je l'utilisais surtout après le soleil. Sa formule à base d'huile de sonderie répare et protège efficacement des rayons UV en hydratant en profondeur. J'ai trouvé que ça donnait un super beau résultat. Les cheveux sont soyeux, sont doux et sont brillants. Ici, on a la crème réparatrice après soleil. Ça maintient, ça protège la couleur, ça protège la fibre des rayons UV, du chlore et de la mer. On doit l'appliquer sur les cheveux lavés et essorés, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ça, c'est qu'on ne doit pas le rincer. Donc, on l'applique sans rincer les cheveux. C'est quand même assez spécial. Puis les deux sont sous forme de gel transparent. Donc, ça empêche les cheveux de sécher après le soleil. C'est très efficace et c'est un produit que je vous recommande. Ensuite, on a le masque de nuit repulpant effet rebond de la compagnie Biotherm. Moi j'ai un petit 10 ml, mais le 75 ml il est vendu 64 $. C'est pour tous les types de peau. Puis c'est un gel bleu foncé. C'est vraiment particulier. Au début, moi je pensais que ça allait tacher mon oreiller, mais non, parce que je fais ça des fois avant de me coucher. Donc ça ressemble à ça le gel. Puis, ça tâche pas du tout.
contrairement à ce qu'ils disent, ça n'entre pas dans la peau. En tout cas, ça prend beaucoup de temps avant que ça entre dans la peau. On doit l'appliquer avec la spatule. Ça, c'est un échantillon que j'avais reçu, puis la spatule venait avec. Donc, c'est très flexible le bout ici, puis c'est pour l'appliquer. Une fois qu'on l'a appliqué, j'ai trouvé que ça chatouillait un petit peu le visage. Il est à l'extrait d'algues cultivées dans le noir. Personnellement, moi, je préfère l'appliquer au doigt parce que je trouve qu'on sent plus le produit une fois qu'on l'a mis. J'ai adoré ce produit-là. J'ai trouvé que la peau était repulpée au réveil. C'est un produit qui est sans parabènes, qui est sans silicone ni colorant. La nuit, on dort, mais la peau reste active. Elle se régénère deux fois plus, puis elle perd quatre fois plus d'eau. Donc, c'est un super produit que j'utiliserai encore, ça c'est sûr. Biotherme, c'est une super bonne marque. Comme dernier produit, on a un déodorant Pit Stick de Colorado. Ça, c'est un déodorant qui est complètement naturel. Il est vendu 15,95 $. Puis, c'est un déodorant qui est sain, qui est efficace, qui est composé de 6 ingrédients sains, dont l'huile de graines de noix de coco et de chanvre organique. Il y a de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude, de la cire d'abeille et de l'huile de malaleuca à l'intérieur. C'est un désodorisant qui est sans aluminium, sans parabènes. C'est fabriqué aux États-Unis. Puis ça dure environ 1 à 2 mois selon l'utilisation qu'on en fait. Personnellement, moi j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien, il est très efficace. J'ai trouvé aussi que s'étendait bien. Par contre, j'ai trouvé que ça puait, mais vraiment beaucoup, là. On doit laver nos mains après, puis ils sont difficiles à laver les mains même après. Puis ça les assèche un peu. Donc moi pour l'odeur, là, j'ai vraiment pas aimé. Eux, ils disent qu'on peut le personnaliser en mettant des gouttes, soit 8 à 10 gouttes de notre huile essentielle préférée et le mélanger. Mais moi, j'ai mis l'huile essentielle de citron, puis j'ai mélangé, puis là, je trouve que ça pue, mais avec une odeur de citron. Donc, ça a comme pas vraiment réglé le problème. Je vous montre la texture. Donc, ça a l'air de ça. J'ose même pas lui mettre les doigts dedans, là, parce que c'est vraiment très, très bizarre comme texture et ça reste vraiment sur le doigt. Et oui, l'odeur, là, c'est ouf. Faut aimer ça. Par contre, je nie pas que c'est un produit naturel. C'est très bon à utiliser, là, dans le sens qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Mais personnellement, je vais retourner au déodorant qu'on retrouve sur le marché. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!